Les PNJ regardent les mobiles gaz comme ça? Non, c'est un joueur. Et il a pris la peine d'enlever son casque et tout, RP. Ou alors il a pas de casque et c'est un taré. Bon, mais Clément, viens, Laurent. Allez, go. Allez, bon, A06. J'ai une sorte de fois de crever parce que j'ai oublié de remettre ma combi. Pour ceux que ça intéresse, le cutlass est prêt. Mais je pense qu'il y a que moi dedans, je pense. Bref. C'est cool le constellation, il pop vachement proche. T'as pas à aller chercher loin. C'est pour les feignants. Ouais. Quand tu vas à la destination, t'es plus lent. Ah ouais, c'est vrai que ça compense. Et puis t'as payé plus cher, ils te mettent bien sur le pad. Ouais, voilà. t'as quelle constellation? Omeda. Andromeda? D'accord. Classique. Zéro. Bon, j'essaie de pas me faire avoir. Vous m'attendez? Parce que non, allez-y, je rejoindrai directement. T'attends, moi? Bon. Bon, quoi que. Je suis là dans 2 minutes. Non, mais on s'en fout. Toi, prends les devants. Spoon, et puis NKH il aura qu'à te suivre en fait, ça sera encore mieux. Ouais, non, mais je. Oui, il va te rattraper de toute façon, c'est plus rapide. C'est pas la question, de toute façon, c'est. Bref, tout va bien aller quoi. Bon, les gears là, putain, c'est bugué les gears à chaque fois. Eh ben putain, mais. Voilà. Non. Là-bas, là. C'est ta mort. Je sais pas qui c'est, mais ça m'intéresse d'aller voir ça. Ça a l'air d'être un point rouge. Oh putain. Allez, voilà, putain. Bon, je suis en route pour. Je suis maintenant, oh là. Pour vous embêter. Putain, là je sais plus où je suis les gars. Oh putain. Non mais tu vas y arriver. Prends ton temps, tout va bien. Là-bas, c'est bon. Allez. Non, c'est marrant, je vois pas le channel. Par contre, tu vois, c'est relou qu'à le pirate qui est dans notre groupe, du coup, quand on va vouloir cibler la cible ennemie la plus proche, ça va le target. Ouais. Je m'en serai un peu, vous inquiétez pas. Faudrait qu'il crée un truc genre ben que t'es que quand on est dans le même groupe ben tu sois pas considéré comme ennemi quoi. En fait c'est pas que c'est un ouais enfin bref c'est pas que c'est un ennemi, c'est un criminel en fait. Après ouais. Tu peux décider d'en faire un ennemi ou pas. Hein. Oui mais pour le système de ciblage par défaut il cible les criminels donc ouais. Y compris si c'est ton pote. Si t'appuies sur U, ça cible les mecs en vert. Donc si un mec en vert t'attaque, tu. Bon les gars, c'est bon, maintenant je le repérer direct. Hein. En deux nuits. Ouais, il me dit ça, ouais, mais. Franchement, on voit quand même bien en fait. Les traces blanches et tout. Ouais. Déjà ? Bah ça vient de jump sur Yela, donc. J'ai dans l'idée que ça jump ouais, c'est moi. Là juste pour aller voir. Non, c'est moi qui. À côté. Non, à ma droite qui vient de jumper de Grimex sur Yela. Ah. Donc c'est pas toi. J'ai vu qu'il y a des mecs qui faisaient ça, ouais. Ils jumpaient sur Yela et à partir de là, ils partaient. Parce qu'il y a les OM aussi, OM4 ou OM6 qui peuvent. Ouais. Pardon, je. Un petit peu trop de Pathfinder. Bon, je sais de vous rejoindre. On rejoint.
ton freelancer, normalement, il est plus rapide que mon Cutlass. Donc, mon... T'as un Cutlass ? Non, il a un Constellation. Ça va à la même vitesse, à peu près. Mais là, il va... Je crois que tu vas à 910, c'est ça ? Ouais, 910, je suis bloqué. Ouais, je crois que je vais... Attends, je vais dire à combien ? Peut-être à 1000. Quel que t'as, freelancer ? Le max ? Ouais, j'ai le max. Ouais, je suis à 1000, 1005. Youhou. T'as pas mal de cargo dessus, normalement. Ouais, 120. C'est ah ouais. Carré, je suis allé voir 1000 de cargo, putain. On dirait ouais, pas. Je l'ai. Je l'attends. Ouais, tu oh putain, il est... ah, j'ai aussi le Bayou. Alors lui. Le Bayou c'est le Merchantman. De ba... Ah oui. Il est. Ah, il est monstrueux. Je sais plus à combien il est, mais il est monstrueux. De quoi le car... C'est quoi le carré que tu parles ou le Merchantman? Le Merchantman. J'ai les deux. Mais t'as dû raquer la mort, quoi. Oui, j'ai raqué la mort, mais j'ai commencé en 2013 à raquer la mort. Donc, quand tu fais sur les années... Ramener au taux horaire, c'est pas grand-chose. Ah, enfin, oui, ça peut choquer des gens, mais bon... Un mec s'achète un téléphone portable tout chaque année, c'est pareil, hein. Ben voilà. Ouais. C'est la même chose, chacun hein. Ses priorités. Non, c'est encore pire. Ah non, mais c'est vrai. Il y en a, c'est les bagnoles. Il y en a, chacun s'éclate comme il veut, t'as vu. S'il a envie de boire un. Là, ils préfèrent claquer leur paye dans la tise. C'est pas le choix. Ah, je crois que je peux rien dire, moi, parce que j'ai déjà claqué pas mal d'argent sur le jeu. Donc. Sur un jeu, c'est un jeu, c'est vrai. Bah, tu sais, quand tu vois ce que j'ai claqué comme argent sur WoW, au final, même avec un abonnement, ou sur World of Warship en achetant des bateaux. Mais moi je considère que c'est normal, hein. Quand tu vois le boulot qu'il y a derrière, les mecs ils mettent des années à te sortir d'un jeu, et les gens sont super durs avec eux. Ça je comprends pas. Oui, voilà. À la limite le rognon, voilà, je trouve que c'est la ligne, tu vois, je veux bien mettre 75 balles pour le jeu, ça me paraît correct. Moi j'ai mis ça aussi. Là. Après c'est bon, j'ai pas plus. Peut-être que je craquerai plus tard, faut voir. Si j'en ai vraiment marre d'avoir qu'un Aurora. Mais tant que vu qu'il y a... Ce qui est bien, c'est qu'il y aura moyen de tout acheter en jeu, donc on s'en fout. Ouais, après, il y aura moyen. Et en attendant, je peux toujours faire membre d'équipage sur les gros vaisseaux, donc. Oui, et puis dire, au pire, dans un an, si t'as envie de rajouter 50 balles et de prendre un truc... Toujours des gars. Non, mais en fait, ça sert à rien, hein, de une partie, les gars. Je peux faire moins... Par exemple, si vous voulez avoir une constellation... En fait, constellation, vous le prenez, claim une constellation, on a deux constellations. Enfin, aujourd'hui, je veux dire, et puis il y a des mecs qui peuvent te prêter des vaisseaux, enfin, t'es pas forcément... Ah, je peux en prêter pas mal, des vaisseaux. J'en ai quelques-uns. Nous dire... Tiens, ils ont viré le merchant. Et dans l'instruire. Apparemment, là, c'est dangereux là-bas. T'as acheté le carac, mais le carac, j'ai vu les photos, il a pas l'air si gros que ça en plus. Hein, je dis. 120 mètres hein, le carac, pas si gros. Ton constellation, il fait 60 mètres. Ah ouais, d'accord, mais je l'imagine pas en fait. Je sais pas quoi te dire. Quand j'ai vu la taille du cargo, je dis bah il doit être gros le vaisseau. Ah non, il est juste énorme. Le carac, il est. Le merchantman fait à peu près la même taille, hein, normalement. Il y a un mec qui nous a repéré à Grimex et je nous ai annoncé là pour Jumptown et il fait « Ah, mais c'était vous qui êtes en train de danser à Grimex !» Pardon. Ah ben non, ça ne marchera pas si je fais ça. Ah non, y a des sacrés gros vaisseaux, mais à la rigueur, ce qui peut être bien, là, tu vois, moi, j'ai trop mais si j'achèterai pas plus sur des gros vaisseaux, sauf après les acheter en jeu directement, ça prendra du temps, mais tant pis. Ça prendra du temps, ouais. Bon, alors, il y a un hostile au-dessus. A vendu le site. Ouais. Bah, tu regardes ce qu'il fait. Vas-y, mets-toi en arrière. Je le couche. D'entrée, c'est un site, je le couche. Mais attends, mais fais pas ça.
êtes sérieux? Tu crois qu'il va aller faire du commerce avec son vendu site là? Ouais, je le vois. Je l'ai à la portée de tir, je fais quoi? Je l'engage? Ouais, vas-y, défonce-le. Ok, bon, je l'envoie. Parce que je l'ai laissé repartir. Ouais, le Merchantman, il a 3500 en cargo. Merde, oh putain, ça ralentit. Fais gaffe, je suis 60 mètres. Je suis derrière, tranquille. J'essaie de vous rejoindre, je suis à 53 km derrière vous. Hein. Mais je crois qu'il plonge sur... Ouais, il plonge sur Job Town. Mais bon, il pas faire du commerce. Hein. Oui, bah non. Je crois que je vais prendre la tourelle du dessus plutôt. Je l'engage. Elle marche pas là, cette tourelle du dessus. Par contre, moi, Azuni, je suis trop loin de toi. Hein. Vous êtes à 30 bandes de moi. Le temps que j'arrive, c'est pas la peine. Hein. Mais on l'a déjà utilisé, la tourelle du dessus, pour ça. Tu coupes le hawk, marche. Tu l'as pas acheté, le hawk? Le quoi? Pas acheté, du coup, parce que dans le petit vaisseau. Ouais, j'ai pas entendu quel vaisseau. Le Hawk. Non, je l'ai pas. Je trouve vraiment bien ce petit vaisseau. Ah, c'est bon, la tourelle du dessus, elle fonctionne. Elle fonctionne? Ah, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne pas chez moi? Non, mais tu peux pas tirer avec celle du dessus, non? C'est à ça, si. Oh merde, sérieux? Par contre, t'as 35 bornes, hein. Ça veut dire que tu te fais attaquer, okay, on pourra pas te... Putain, moi je suis au taquet, je le rattrape pas, quoi. Ah non, mais tu me rattraperas pas, j'étais à 1000 points. Rapide, un Avenger, c'est trop rapide. Par contre, c'est je rentrais pas dans le cul, je me suis arrêté. Mais tu l'as aggro l'autre ou pas? Non, ouais, j'ai tiré dessus, je l'ai touché, mais il a mis un coup de boost, il est parti. Ok. Il a flippé. Bah, ouais, je pense qu'il est parti faire son objectif, surtout. Il est parti là-bas, à mon avis, il est parti se taper là-bas. Comme je te dis, il va pas parti faire du commerce avec ça. Que toi tu le chasses et que du coup tu me couvres les arrières, soit tu te retournes, mais je sais pas comment on peut faire, mais ouais, non, moi, je suis en train de freiner là, moi je vous attends, ouais. Avec le constellation, putain, cette vitesse qu'il a avec l'Avenger, quoi, il est déjà revenu, quoi. Ah non, j'ai pas bougé, je suis à l'arrêt complet. On y arrive, les gars. Hey, je me trompe pas trop de nuit maintenant, c'était bon? Ah, t'étais bon, hein, puisque le site il est parti par là. Ouais, moi je reconnais la chaîne de montagne. Ça me va. Ah, on voit de la lumière là-bas. Oh oui, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On aggro? Il y a un vaisseau qui arrive sur la gauche, je le vois en visuel, mais il est sur la gauche. Il est... Là, je suis en train de passer, c'est moi, Zeny. Ouais, t'en veux un autre? Il y a Darky Game. Vas-y, derrière toi, Jay. Origine 600i. Key Games. Un 600i, il vous fera pas mal. Ouais, le 600i, c'est pas la peine, il fera rien. Moi, j'ai déjà vu des 600i qui ont défoncé des types. Hein. Non, mais le 600i, s'il fait de chaud, il va vite comprendre son problème. Il y a un truc au sol. Il y a un truc au sol, ouais. Il y a des phares. Hein. Mmh. Ouais, je vois. Ça bouge. Les défoncer, mais vous voulez aggro, vous voulez aggro direct ou pas? Bah là oui, le truc au sol par contre je vais le plomber. D'accord, faut qu'il voit, hein. T'as le cœur? Parce que encore une fois c'est pas du commerce. J'ai engagé. Origine 600i garé là-bas. C'est un sabre. Putain. Sabre, il s'appelle Bomba. Il faut le désingue. Il y a aussi Darky Games qui arrive. Ah non, c'est Il y a un mec à côté de lui. Il y a plusieurs vaisseaux là. Mm-hmm. Mais Darky Games, c'est le mec en 600 lits. Hein. Il va pas nous. Oh, il y en a un autre encore. Ah oui, je confirme. Il y a du monde. Il y a un sabre rouge et il y a un Vandoul. Ouais. Goldwyn. Tu. Azuni, si tu engages, tu me dis lequel en premier. Ouais. Je pense que le risque, ça va être le Vandoul surtout. Ok, bah, je le garde à l'œil. Est-ce qu'il protège ou est-ce qu'il protège pas, les gars? C'est ça la question. Écoute, je vais passer un passage au-dessus, je vais commencer à réagir. Il a pas l'air de nous venir dessus.
C'est les mêmes qu'on avait vu, j'ai l'impression, Thomas. Tu te souviens, il y avait un 600i au-dessus. Ils font la même technique. Ils font quoi? Oh. Il m'arrose, l'enfoiré. Qui t'arrose? On s'est rentré dedans. Le site. Ouais, mais hey, je me fais tirer dessus au missile. Ah, et puis j'ai... Oh merde! J'ai aggro la mauvaise cible! Je suis désolé! Je suis désolé! Ah putain! Faites quoi là? T'as aggro qui? On défonce le sabre, allez. J'essaie de revenir, Non, j'arrive pas à la cibler, ça va. Arrêtez de lui tirer dessus dans ces cas-là si vous dites que... Oh putain, là, tous les missiles qui sont partis. Je suis désolé, Azuni, vraiment. C'est ma faute aussi, Oh, il m'a tiré dessus, c'est mon arme. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à le cibler? Je perds la stabilité, Clément. Ouais. Ah, on est foutu. Sœur, le Constellation, je te fais défoncer, hein. Non, ça aurait pu le faire si j'étais là. Et la sauce, hein. Bon, bah sur ce, moi je vais vous laisser. Hey, je reviens avec un sabre, avec un... Amusez-vous bien. Bisous. Bonne soirée. Ciao. Il y en a qui repartent là-bas ou... Non, je me suis fait défoncer aussi. Par derrière. Non mais il faut des chasseurs. Ouais. Si on y va avec des freelancers, on va se faire des pouilles. Il faut des chasseurs. Je vais me faire défoncer, mais j'attaque le 608 parce qu'il m'a aggro. En fait, je crois que c'était... Mais je crois qu'il y a eu un mésentente, il y a commencé à tirer. Putain, le Constellation, c'est là, tu vois, je me suis pris 2-3 tirs, faut arrêter. 2-3 tirs. Ouais, le Constellation, je comprends pas comment il peut être si fragile hein, avec les boucliers qu'il a. Il est bugué, il est bugué, cherche pas. Il est bugué, c'est pas normal. Et j'espère juste qu'ils vont le régler parce que pour ça je suis un peu dégoûté quoi, je te dis je suis mort, ça y est. Si c'est le Vendule qui t'a tiré dessus, il a un canon taille 6 quand même, quoi, hein. Le Hawk les gars, donc il va falloir qu'on cible les bordels hein, par contre. Hein. Ouais, si je balance un P sur un type, vous le foncez dessus. Hein. Il va falloir qu'on se coopère un peu mieux. Mais tout seul dans ton Constellation, tu vas arriver à faire quelque chose? Non mais je prends le Hawk moi là. D'accord. Maintenant, c'est bon. Ah bon, on cover à moins que NK il veut se taper aussi. Hein. Sinon, on cover NK avec son freelancer. Pas pour libérer la zone, hein, de toute façon. Alors, je reviens. Je peux prendre un FC Tornet si vous voulez. Oh oui! Ah tiens, ça, ouais, ça, tu me donnes ça, je vais bien me marrer. Moi. Un super Hornet? Ouais. Bah je peux te les sortir, vous êtes toujours à Grimm? Ouais, on est à Grimex, ouais. Bah j'arrive à Grimm, je suis toujours chez Lissar. Je prends le super Hornet. Si tu veux, j'ai aussi un... Comment ça s'appelle? Un Arrow, si tu veux. Ah, j'ai jamais essayé ça. Non mais le super Hornet, c'est au-dessus de tout. Le super Hornet, ouais. Mais est-ce que c'est un Hornet ou un super Hornet que t'as? Super Hornet. Le biplaf quoi. Ouais ouais, le vrai de vrai. Celui qui déboîte tout. Ouais, juste que vous donniez les cibres. Les... Moi je t'ai laissé piloter, par contre je suis pas assez bon en pilotage. Comme tu veux. Bah là il faut ressortir dans le pourtour aussi. C'est un marchand. Ouais bah, j'aurais sorti le marchand quand même. Le freelancer max. Warden, putain, ça aussi, je suis là. J'ai un rêve de ce vaisseau du Vanguard. Voilà, en fait, le Vendu m'a rentré dans la gueule. Enfin, là, ouais, avec le super Hornet, on va coucher des bouches.
voir. Attends, je vais activer le MP. Je suis con si j'active pas. Oh. Factory. Par contre, ouais, je log pas, comme ça tu pourras le prendre. Donc on fera juste que tu nous donnes les. Enfin qu'on se coordonne sur les cibles. Ben, il faut qu'il y en ait un seul. Il y en a un seul qui colle les cibles et les autres le suivent. Mais même pas en fait. Juste le. Ben là, oui, de toute façon, oui, non, en fait, ouais, vous avez raison, on part tous au combat, là, il n'y a plus de chargement. Là. Fou là, c'est pour aller s'amuser là. Bah oui, grave. Moi j'y retourne avec mon cutlass. Par principe. Oh le Vanguard, putain. J'ai toujours dit, t'as vu. Utiliser le bon outil, et là on part au combat, le Super Hornet, y'a pas meilleur. Ah le sabre est pas mal aussi. Ouais, mais un Super Hornet, ça reste un Super Hornet. J'aurais préféré un vendu glaive, mais. Vous allez ou pas les gars? Non, vous êtes toujours là, Zuni. Ouais, moi j'attends que mon vaisseau spawn, 47 secondes. J'arrive. Juste... Donc il prend le super harnais là. C'est Azu. Azu et qui d'autre? Bah toi. Et moi j'ai un hoc, donc je vais vous balancer les EMP. Donc vous deux, Azuni et Edka dans le super harnais, Spoon dans son hoc et moi dans mon cutlass, ça vous va? Ouais. Donc tu voulais faire du fight? Ah ouais, voilà, c'est parti. Ah, Dan Kingston, elle... Ah ok, non, c'est normal. Oui, non, mais c'est normal. Ouais, je lag du cerveau. Si vous voulez autre, un autre vaisseau, j'ai aussi un... c'est lequel le veut 325. Oui, 325. Et j'ai un autre Hornet. Je me vois quand même mon fil de Hornet. T'as deux super Hornets? Non, j'ai un Hornet et un Super Hornet. D'accord. Non, moi je prends mon Cutlass. C'est juste l'habitude de... Et au final, avec mon Cutlass, j'étais le dernier sur place. Hein. Vous étiez tous morts. Qu'est-ce que je fasse avec un freelancer? Par derrière, bim. Non, mais monter à deux, toi, à NK Yazuni, monter à deux dans le Super Hornet. Un dans la tourelle, un qui pilote. Je prends la tourelle. Je te laisse piloter. Attends, je suis pas encore arrivé. Bien mon EMP là sur. Alors comme d'hab, Spoon, c'est toi qui nous mène à l'endroit, parce que apparemment t'arrives à le trouver facilement donc. Déjà en visu. Donc bouge pas MK, arrête-toi. J'arrive. Là, il fait jour. T'es là? Et là ouais, je suis au-dessus de toi, c'est pour ça que je te dis arrête-toi, je suis 90 mètres. Tu montes à combien ton vaisseau morph déjà? On se cale sur ta vitesse. Attends, je tape un extérieur et je passe ça. Ah, oh, what the fuck? Y'a des mecs qui rentrent dans mon vaisseau? Attends, et je sors pour passer à l'arrière. Tu l'as pas loqué ton vaisseau? Mais j'ai pas eu le temps de monter dedans! Ils sont déjà là! Oh les chiens! Bah tu prends pas, tu le réclames de nouveau. Tu réclames un autre vaisseau, il va disparaître. Ils vont être marrons, hein. Ah, c'est bon, je peux m'installer. Moi, j'ai en train de m'installer, bouge pas. Hein. Ouais, je bouge plus. Va avec un autre vaisseau, tu vas voir, ils vont disparaître. Bah ouais, le problème, c'est que ça me met en retard. Ouais. Bon, bah allez-y sans moi. Y'a quelqu'un qui s'est barré avec ton vaisseau là? Ils sont barrés avec ton vaisseau? Bah je sais pas, ils sont assis sur les strapontins dans le cargo, mais ça c'est un coup, est-ce que dès qu'on sort de la safe zone... Y'a un 4 classe qui vient de partir de se barrer hein. Bah voilà, bah c'est le mien. Eh ben, par dessus. Dès que je le trouve, il est là. Vas-y, c'est parti. J'avoue ça. Défoncez-moi cette merde. Tu l'as? Ouais, je l'ai au scanner, t'inquiète. J'avance dessus. Allez, je viens avec toi, on va le... Ouais, il nous a ramené la gueule. J'adore quand ils font ça. Il nous a rentré dedans. Non. Ok. Vas-y, c'est parti. Mais il se bouge pas comme ça. Hein. Il a upgradé mon cutlass.
Oui, je leur dis, il est upgradé. Hein. C'est pas. Ah, c'est Barry. Ah, il a pris. Ah, mais je peux pas, là, il est con. Allez. Ouais, ça fait toujours ça, ma sonnerie de téléphone. Elle est forte, surtout. Ouais, parce qu'il était proche du micro, c'était pas voulu. Bon, vous y arrivez? Putain, je t'ai. Ah, on est dessus. J'ai bouffé toute l'énergie. Ouais, je sais. Il y a un MP, les gars. Ah, c'est toi le MP dans ces cas, c'est pour ça que j'ai plus d'énergie. Tu as plus de balance. Putain, il est costaud, hein, le Cutlass. Bah, je vous le redis, il est upgradé, c'est pas le Cutlass de base. Ah, mais quand même. Oui. Non, mais je vous dis, j'étais le dernier en vie, hein. J'ai fighté le 600i et le chasseur sur la zone. Voilà, bien joué. Voilà. Ça leur apprendra, ce plus de... Putain, mais les putains de gitans, quoi. Les mecs, ils t'attendent sur le pad et ils veulent tomber sous... C'est les gros gitans, quoi. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai pas le son du jeu. Oula, je dois arrêter, putain. Bon, bah, c'est pas grave, on remettra ça une autre fois, on a bien rigolé.